Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. J'ai terminé aujourd'hui mon coloriage de Molly Harrison. Voilà, ça y est, il me restait les fleurs et les papillons à faire. Donc ça y est, ils sont terminés. Joli résultat, voilà. Bon, je vais me lancer des fleurs hein, moi-même. Non, j'aime beaucoup le résultat, il est très joli. Et du coup, j'aime bien les dessins de Molly Harrison. Et le résultat donne bien. Bon, je verrai après par la suite avec les autres. Mais j'aime bien déjà celui-là. Donc, j'ai terminé toujours avec mes crayons bruts de Fenner. Oui, j'ai su le dire d'un seul coup sans chercher. Wow. Je suis le meilleur, hein, de mieux en mieux. Sinon, j'ai rien fait d'autre. Non, j'ai rien fait d'autre. Je n'ai fait que ça. Ça y est, je cherche ma mèche. Elle est là. Hop. Non. ouais, j'ai rien fait d'autre. J'avais fait un petit peu hier, comme le soleil est revenu, la chaleur est revenue, j'ai fait un tout petit peu de jardin hier. Aujourd'hui, non. Parce que aujourd'hui, il faisait trop chaud. Et puis demain, de toute façon, demain, c'est ma visite mensuelle chez le docteur, un petit peu des courses. Voilà. Demain, je ne sais pas ce que je ferai, je verrai. Soit diamond painting, mais alors là je bug sur mon DP. J'ai essayé de le si je l'ai sorti dimanche, donc hier, mais j'arrive pas à rester dessus là en ce moment. Je sais pas, là je bug dessus. Alors soit il y en a un qui est prêt là à commencer. Alors, soit je vais commencer l'autre DP et puis je vais repartir sur l'anglais un petit peu à la fois parce que là, je bloque dessus. Mais alors, complètement. Pourtant, j'arrive à... Non, j'arrive pas à la fin, je vous l'ai dit. Il me reste 30 cm. Mais là, je bug dessus. Voilà. Alors, je vais peut-être en commencer un autre. Je vais voir pour dire de changer. Parce qu'il commence vraiment à me sortir par les yeux. Je n'arrive pas à rester dessus, là. Mais bon. Donc, on verra. On verra, on verra, on verra. sinon, rien de neuf, sauf que là, je vais être beaucoup, beaucoup, beaucoup prise. Donc, je pense que je vais me débrouiller pour être prise le matin et comme ça, l'après-midi, je resterai dans mes coloriages, mes DP et tout ça. Parce que je vais avoir du cartonnage à faire le matin. Donc je vais voir comment je vais m'organiser. Mais bon, c'est pas cette semaine, hein. Ce sera à partir de la semaine prochaine. Et ça va me prendre pas mal de temps. Donc je vais voir pour m'organiser, pour continuer en même temps coloriage, DP, vidéo et le cartonnage à côté. Voilà. Je ne veux pas vous abandonner. Voilà, il faut que je continue à faire tout comme je fais d'habitude avec ça en plus. Voilà. Et plus la maison, le jardin. Mais on va y arriver. On va y arriver. Donc voilà. Je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. Voilà, donc qui est la fin du coloriage. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà.
Et puis, petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne hein, sur le moteur de recherche de YouTube. Et moi, en attendant, je vous fais plein, plein de gros poutous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous, bon visionnage!
Il n'arrive que à s'en sortir, le mec. Tout le monde est en train de téléphoner pour les insulter là. Mmh. Oh, mais là, les gens n'ont pas tout à fait tort. Hein. Ouais. Il a bien vu que le mec il devait pas être tout à fait droit dans ses baskets. Encore un.
plaisir. Hein. Ah. De quoi?
Hein. Pour l'instant, celui qui est premier là pour la finale, c'est celui que c'est l'arabe, celui que les restaurateurs ils voulaient pas là, qui disaient que les arabes c'est à la plonge. Pour l'instant, c'est lui qui est dans les premiers. Ceux qui n'ont pas voulu de lui dans leur restaurant, ils vont se mordre les doigts. Dire si on avait su. Thank you.
Ah. Ah bah oui, mais à l'extérieur, ils sont toujours bien ces mecs-là. Hein.
Bah, il va crever alors. Depuis ce matin, depuis hier. Hein? Bah, hier, ils pouvaient pas sortir de chez eux déjà, les gens. Ça y est, vous pouvez faire crac-crac. Ça, c'est parce qu'ils ont eu trop de morts avec le coronavirus. Ils veulent pas le dire. Ah bah je vais aller m'acheter une boîte alors. Ah bah quoi, elle n'a pas dit c'est la journée du tabac. Par le stress, par le report, est tout à fait.
D'associer cigarette et vapotage permet des fois plutôt plus de diminuer le nombre de cigarettes. Donc ça, effectivement, on peut que s'en féliciter. Des fois, c'est pas suffisant parce que tant qu'il restera des cigarettes, ça restera un fumeur, il y aura une exposition. Donc en fait, la vapoteuse peut être considérée, à mon sens, comme un outil intéressant, mais il va falloir que cette vapoteuse remplace progressivement complètement les cigarettes qui n'étaient plus que cigarettes. Mais, vous savez, en général, quelqu'un qui vapote et qui fume, la quantité de nicotine qui va finalement se retrouver dans son cerveau va rester la même parce que c'est une drogue et le cerveau, il veut sa dose et il veut pas plus que sa dose. Il y a beaucoup de modalités pour arrêter. Si la personne est insuffisamment motivée pour aller vers des traitements, des cachots, elle veut arrêter uniquement en utilisant l'outil vapoteuse, dans ce cas-là, il va falloir effectivement trouver le bon dosage de nicotine dans la vapoteuse et puis remplacer progressivement l'un par l'autre pour qu'à terme, il n'y ait que la vapoteuse. Ça, c'est très clair. Il faut complètement arrêter toute cigarette. Et à ce moment-là, quand il n'aura que la vapoteuse, on pourra dire que c'est un ancien fumeur. Mais toute la difficulté de trouver est de Ah, t'as vu, t'es un ancien fumeur. On utilise des Mmh, mmh, mmh.